Bon, nous revoilà pour un troisième jeu. Donc bonjour aux gens qui viennent de nous rejoindre. Merci à ceux qui étaient là déjà pour les boutons d'avant. Et on va passer à Spiritfarer. Bon, s'il y a des problèmes de son, n'hésitez pas à me le dire. Hein. Je vais aller faire les réglages, mais... Audio. Back, language. French. L'audio. Non, il n'y avait pas besoin de contrôle. On verra. Alors, Spiritfarer. Alors, Spiritfarer, tout le monde y a joué quand il est sorti. Sauf moi, bien évidemment. Parce que j'ai pas acheté le jeu. Et là, il était dispo sur le Game Pass. Et comme j'ai vu beaucoup de bonnes choses dessus, je me suis dit, bah tiens, je vais aller le tester pour voir ce que ça donne. Et je pense qu'après les émotions qu'on vient de vivre sur Walking Dead, là, je pense que c'est pas mal parce que visiblement, Spiritfarer, de ce que j'ai entendu, il traite justement du passage des âmes du monde de la vie au monde de la mort. C'est un jeu où visiblement, l'héroïne est psychopompe. Alors, psychopompe, ça n'a rien à voir avec des pompes qui auraient des problèmes psychologiques. Psychopompe, c'est un terme qu'on utilise plutôt en mythologie, etc. pour parler de... T'enchaînes les jeux de la joie, là. Mais oui, bien sûr, évidemment. Pour parler de créatures ou de personnes qui, justement, font les passages entre le monde de la vie et le monde de la mort. Par exemple, vous ne le savez peut-être pas, mais un animal psychopompe par excellence, c'est le cheval. Et oui, le cheval permet d'accéder au monde des morts. Beaucoup les oiseaux aussi, mais le cheval. Allez hop. Mais Spiritfarer, c'est coloré. Tu veux un Xanax, un chocolat? Plutôt un Xanax parce que je n'aime pas le chocolat. Ce qui explique mon état de dépression de très longue durée, malheureusement. Je devrais me racheter de la poudre d'amande et me refaire de la pâte d'amande, ça irait mieux. Mais je vais encore prendre 15 kilos. Mais bon, Spiritfarer, c'est coloré, c'est beau, il y a de la lumière. Ben voilà, Chacha, Charon, hein, le passeur par excellence. Ah, finalement. J'ai cru un instant que tu ne te réveillerais jamais. Comme ça aurait été ironique, non. Ouais, pour quelqu'un qui vient de mourir, ouais. Mais quelle blague! Mais quel farceur, ce Charon! Pardon. Putain. Aux prochaines découvertes, on fait des jeux de la joie. Vraiment. Si j'en trouve. Je suis Charon, le roi de la blague. Le Spiritfarer, le passeur d'âme. C'est-à-dire ce que j'étais jusqu'à ton arrivée. Je ne peux pas dire que je suis triste de partir, mais il me reste quelques petites choses à faire ici. Je crois que c'est toi qui prendras ma relève. C'est, après tout, mon tout dernier jour. Et tu es... Stella. Bienvenue, Stella. J'ai vu que tu as un navire avec toi. Comment s'appelle-t-il? Daffodil. Je vois. Vous passerez donc tous les deux responsables. Je ne porte plus ce fardon. C'est terminé. Comme je le disais d'ici quelques minutes, je quitterai ce monde. C'est pourquoi tu es ici. Eh ben, si même Charon crève, on n'est pas dans la merde. Ouais, je suis d'accord. Dev of the Tentac, c'est un poison église, c'est fort, mais c'est pas très sondé, d'accord. C'est pourquoi tu seras la nouvelle passeuse d'âme, la Spiritfarer. Écoute, tes tâches seront tout sauf faciles, mais toutefois très simples. Alors, c'est simple, mais pas facile, ok? Tu dois aller cueillir les esprits errants sur les îles, et lorsqu'ils seront prêts, à les ramener ici. Les âmes mourantes ne peuvent pas trépasser d'elles-mêmes. Tu devras les aider à remplir leur dernière requête et à être à leur service jusqu'à leur dernier souffle.
Le grand pont que tu vois là, en forme d'arche, est le seuil éternel. Tout débute à l'alpha et tout se conclut par l'oméga. Ça, ça s'appelle Jésus. Et là où toutes les quêtes se terminent, où l'existence rencontre son seuil. Il n'y a pas de tâche plus importante que celle-là. Ne l'oublie pas, Stella. Je dois te donner quelque chose. Voici. Tu dois faire très attention avec ceci, c'est la lanternelle. C'est le symbole de ton statut ici et le seul outil dont tu auras besoin. Mais attends, qu'est-ce que le chat va faire dans le charron? Oh, comme c'est inapproprié. Bon, voilà ce qui clôt l'affaire. La lanternelle dans tous ses voyages. Ce sera la lumière qui illuminera les sanctuaires obscurs, la dernière goutte d'espoir pour les défunts. L'espoir est la flamme, la lumière qui ne faiblit jamais, le phare dans l'éternité. Celle-ci est lourde et gênante, mais elle tient à un devoir bien plus grand. Je suis sûre que tu l'utiliseras parfaitement. Tu vois? Moi aussi, je suis sentie dépassée au début. Essaie de te concentrer. Prends une étape à la fois, tu seras vite habituée au lieu. Tu te familiariseras avec ces moments. Après tout, tu es la nouvelle Spirit Farer. Oh, une dernière chose. Lorsque je serai partie, tu devras trouver ton propre bateau. Le mien ne te conviendrait pas et disparaîtra avec moi. Tu devras en trouver un près d'ici si tu rames assez longtemps dans la bonne direction. Probablement. Bon, j'y vais. Au revoir, Stella, et bonne chance. Non mais Chacha, tranquille. Tranquille, hein. Daffodile égale pissenlit. Oh, bah je savais quoi. Ils peuvent traduire le chien reste Flovie. C'est pas un chien, c'est un chat. D'ailleurs, les miens sont fous à cause d'une mouche. Que Donna a déjà chopé, mais qu'elle a perdu. J'ai faim, les gens. Mais très faim. Hop là. Ok. Ah, inventaire. Appuyez sur A et maintenez A pour sauter plus haut. Stella, c'est vraiment toi? Tiens-toi bien droite que je te regarde. Tu parais bien. Et Daff est là aussi, je vois. Vous allez avoir besoin d'un rouleau anti-peluche. Ah non, c'est peut-être pas clair. C'est moi, Gwen. C'est une bonne chose que tu m'aies retrouvée. Mais tu es ici, cela veut dire que... Oh, tu es la nouvelle passeuse d'âme, la Spirit Farer. Tu es celle qui remplace Charon. Bah ouais, monsieur est parti à la bourre, comme ça. J'essayais de m'en débarrasser, je suis arrivée ici par accident. J'ai été surprise sur l'île... J'ai été prise sur cette île dégoûtante. Pendant des semaines, vivant de sardines et de cigarettes. C'est drôle. Comme c'est moi qui te sortirai du pétrin avant. Voilà, j'ai du mal avec la lecture, hein. Je vois que tu as la lanternelle maintenant, évidemment. Tu vois le bateau là-bas? Waouh! C'est celui-là. Il est manifestement minable, mais réquisitionnons-le. Je
te gâche qu'il fonctionnera puisque tu es la Spiritfarer. Ok, rejoins-moi sur le pot, je t'expliquerai tout. Hop là. Oui, qu'est-ce qu'il fait si je tombe? Rien. Bon, je m'excuse les gens, mais j'ai trop faim. Je me fais une petite crêpe rapidos. Parce que oui, j'ai des crêpes. Il me reste 2 crêpes que j'ai fait ce week-end. Allez, une bonne petite crêpe au sucre. Ah, mais cette blague! Je suis coincée par une poubelle. C'est pas facile de jouer avec une crêpe dans les mains. Et voilà. J'espère que mon manteau de fourrure ne sera pas trop abîmé. Waouh. Magnifique. Je ne sens d'habitude pas de joie, mais là je me sens si bien. Tout cela est mieux que ce que je ne l'aurais cru. Alors, si je comprends bien, le bateau est désormais le tien. Tu ne crois pas? Bien. Et comme tu es la Spiritfarer, ton nouveau travail est d'accueillir les esprits errants. Une fois à bord, ils reprendront leur vraie forme. En tout cas, c'est ma théorie. Pourquoi me regardes-tu comme ça? Viens ici, donne-moi un câlin. Donner nourriture, câlin. Ah! Oh! Moi aussi, je veux un câlin! Beaucoup mieux. Suis-moi. Observons ce chaos. Moi aussi, je veux des câlins après ce que je viens de vivre. Oh non! Quel gâchis. Cela me rappelle l'ancienne coudre de la tante Pétunia. Si on pense tous à la même Pétunia, ouais, c'est la merde. Le témoignage désorganisé et magnifique de la paresse d'une personne. Ou l'impossibilité vitale de se barrer d'être quoi que ce soit. Nous devrions à tout prix faire quelque chose, sinon je devrais combattre mon allergie à la poussière. Laisse-moi y penser. Il n'y a qu'une seule façon de remédier à la situation. Tu dois aller voir Albert, le cinquième mousquetaire! Pardon. C'est une sorte de requin de la finance, et ses blagues sont nulles. Il a mal fait sa retraite, Albert, le cinquième mousquetaire, hein? Mais le seul à pouvoir réparer ton bateau. Nous devrions nous diriger vers le chantier naval d'Albert. Tu dois te demander grâce à quoi se déplace ce bateau. C'est très facile en fait. Voici la clé que j'ai trouvée sur l'île. Elle débarre la cabine derrière. Tu trouveras un projecteur cartographique. Et comment je sais tout ça? Eh ben, j'ai planifié une évasion, tu te rappelles? Tu me connais. J'ai planifié méticuleusement les choses. Très méticuleusement. Allez, va dans cette cabine, Stella. Le projecteur cartographique est simple à utiliser et tu n'as qu'à mettre sur le cap sur le chantier naval d'Albert. J'aime beaucoup l'animation. Appuyez pour voir les quêtes actives. Ok. Amélioration, broutille. Ok, si je fais ça, j'ai pas envie de quitter. Ah, j'aime beaucoup, c'est super fluide, hein.
Avec son tromblon chargé de spaghettis à la sauce bolognaise, c'est lui le meilleur et le plus petit de tous les mousquetaires. Il se nomme Albert, Albert, Albert le cinquième mousquetaire. Ah bah tu vois, Codaléa, je parle de mousquetaire, te voilà appliqué. Alors non, c'est plus Walking Dead en fait, j'ai changé de jeu, hein, puisque aujourd'hui c'est jeu découverte, donc j'ai fait le premier épisode. Et honnêtement, vu comment ça a fini, c'était tellement la tristitude que je pense que mes comparses qui sont sur le chat pourront te dire que on a toutes pleuré les larmes de notre corps, qu'on était grave choqués et que c'était vraiment la tristitude. C'est pour ça que j'ai faim et que je mange des crêpes. Mais on n'est pas loin du monde des morts, hein, puisqu'on joue à Spiritfarer et en fait... Bah, figure-toi que Charon a décidé de partir à la retraite et c'est moi qui me paye le taf du coup. Alors. Oh! Oh, un max, c'est tellement la vie. Alors. Je mange les crêpes, hein, je suis désolée. Nouveau chez Albert. Oh, mais les Walt, capitaine. D'ailleurs, j'étais en train de demander un truc. Sally, pendant que t'es là, si tu vas sur OBS et que tu mets que je joue à Spiritfarer, je sais pas si ça change les informations en fait. Un 4 quarts. Hop. On peut pas faire de... Ah, je me suis... Et si on met un câlin au chat ? Le mignon ! En tout cas, ça n'a pas l'air de la rendre malheureuse, Stella, d'être une passeuse. On peut pas refaire un câlin. Oh. Je devrais lire au lieu de passer comme vachement. Ouais, j'aime beaucoup. En fait, quand le jeu est sorti il y a un petit moment, j'ai vu plein de gens y jouer. Je l'avais trouvé assez beau, assez sympa. Donc je me suis dit, bah tiens, ça vaut l'occasion de le tester. Et puis, après là, ce qu'on vient de se taper sur Walking Dead, on va pas se mentir, hein. Un peu de gaieté, de lumière, même si, ok, on est toujours dans le monde des morts. Ouf. Alors, comment est-ce que je fais pour débarquer sur une île? Hop là. Merde, comment je fais pour remonter sur mon bateau? Voilà. Et comment je fais pour quitter mon bateau? Ok, on peut pêcher, c'est trop cool. Spiritfarer, simulateur de jeu de pêche.
s'est déconnecté. Alors moi, en Walking Dead, j'ai pas... J'ai pêché un hareng. Bon. C'est pas tout, mais en fait, je voudrais débarquer. Je ne sais pas comment on fait. Est-ce qu'il faut que j'y aille avec ma petite barque? Comment on débarque? Je sais pas comment on débarque. Est-ce que je suis arrivée au bon endroit au moins? Ah, peut-être pas en fait. J'ai dû aller pas loin mais pas où il faut. La meilleure partie des vidéos quand je pêche. C'est joli. Découvert chantier naval d'Albert. Animal Crossing. J'ai jamais joué à Animal Crossing en fait. Parce que les jeux étaient d'abord sur... Enfin, je ne sais plus sur, sur Game Boy. Maintenant, dirige-toi vers le chantier naval d'Albert et améliore ta table à dessin. C'est le seul moyen de ranger ce fouillis. Je me demande ce qu'on y trouve. À l'odeur, je dirais différents types de saleté et de poussière. Hop là. Voilà, puis d'abord c'était sur les consoles portables, hein, ça doit être la DS, je pense, et maintenant c'est sur Switch. J'ai pas de Switch en fait. J'aimerais bien, hein, je pensais l'acheter pour Noël, sauf que bah au mois de novembre, il y a le Covid qui a emporté mamie, et donc voilà, avec tous les déplacements que j'ai dû faire, etc., à Noël, j'avais plus les sous pour me la payer. Puis c'est comme ça. Bienvenue dans mon chantier naval, jeune voyageuse. Ah, mais on parle beaucoup de trucs morts aujourd'hui! Ouais, c'est génial! On va essayer de trouver des conversations plus sympathiques. Vous trouvez pas, parce que là, ça devient la dash. Alors, GameCube. Ah, c'est sorti déjà sur GameCube. Oui, Wii U. Une Wii, j'ai, mais ouais, j'ai jamais joué. Câlin. Oui, câlin. Y'a pas un fauve, là, pour me faire un câlin? Bombure, Donna, Odine, venez faire câlin, maman. Enfant indigne. Bref. Bienvenue dans mon chantier naval, jeune voyageuse. Là où mes prix sont les meilleurs amis des clients. Mais bien sûr, je te crois, espèce de requin. Je suis Albert. J'œuvre dans l'industrie de la construction de naval depuis des années. Dois-je comprendre que tu es la nouvelle Spiritfarer, la passeuse d'âme? Mais oui, bien sûr que tu l'es. En tout cas, tu as été capable de mettre les voiles et de mener ton bateau jusqu'ici. Gwen a eu raison de te guider vers mon humble entreprise. Ah, laisse-moi voir ce que tu as ici. Beau petit rafio, te moque pas de moi. C'est drôle, il est identique à un bateau que j'ai construit il y a longtemps et entreposé dans mon vieux chantier naval. Tu vois, Charon était mécontent de... Pardon, son arche sombre et humide. En fait, il se plaignait toujours de quelque chose, mais le client a toujours raison. Je lui ai donc construit un nouvel engin, un meilleur. Et évidemment, il n'aurait jamais abandonné son autre barque. Ce n'est pas un vieux singe qu'on apprend à faire la grimace. Mais ne t'inquiète pas, tu peux garder ce bateau. Appelons ça un prêt. Laisse-moi te raconter quelque chose. Si tu sais, comme nous blaguons à propos de la construction ici, ne t'en fais pas. Nous y travaillons encore. Ra 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 ra. Ya 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 ya, Fraulein, on fait des blagues pourries. Pardon. En tout cas, avec un peu d'humour, cet oiseau prendra son envol. La première chose dont tu auras besoin est une table à dessin. Puisque ton jour de chance et que je me sens généreux, je t'offre ta première planche à dessin. Gratuitement. Garde en tête que ces fonctionnalités sont quelque peu minimales. Mais les améliorations que tu trouveras, que tu voudras y faire sont disponibles à faible coût, à tel point que tu les voudras presque immédiatement.
Tu n'as qu'à m'indiquer une amélioration à faire sur votre bateau. Nouvelle quête, construction. Hop là. Améliorer la table à dessin. Ouais. Je fais comment? Améliorer, voilà. Alors. Débutant. Donc, je suppose qu'on va récupérer des thunes. La taille du bateau. Ah, c'est bon. Tu pourras construire et modifier tes bâtiments sur le bateau. Quel bonheur! Mais si tu veux vraiment améliorer la taille du bateau et son confort, je suis ton homme. Tu viendras lorsque ton bateau pourra être bondé. Salut! Quête complétée. Ok. Retourne à bord du bateau. Hop là! Et les gens se plaignent de Tom Nook. C'est qui Tom Nook ou c'est quoi? Alors, bien, Albert te l'a donné gratuitement. Il a dit qu'il te prêtait le bateau. Inquiétant. Il est difficile de savoir ce qu'il avait en tête, mais cela ne semble pas très rassurant. Mais peu importe, essayons de nous concentrer sur notre tâche, nettoyer ce pont. Tu peux aller à la table à dessin au-dessus de ta cabine et sélectionner l'option modifier. Grâce à elle, tu seras capable de déplacer tous les bâtiments et de récupérer des ressources. Vas-y, je t'attends ici. Non, c'est pas là. Waouh, j'ai découvert plein d'endroits. Mais je suppose que c'est pas ça qu'il fallait. Ah oui, elle est là-haut, là. J'avais pas vu. Modifier. Déconstruire, ouais. Voilà, j'ai récupéré du matos. Tom Nook, c'est le tanuki qui te fait ta maison et qui te rembourse ton prêt dans Animal Crossing. Ah, d'accord. Ok. D'accord, d'accord. Maintenant, je comprends. J'étais un peu... Tu as fait un travail merveilleux, Stella. Et la bonne nouvelle, c'est que tu as assez de ressources pour ajouter une maison d'invité à ton bateau. Une commodité essentielle. Les esprits nouvellement accueillis comme toi auront un endroit temporaire pour se relaxer et dormir. Bon, dormir pas vraiment. Mais je t'assure que personne ne veut passer la nuit là-dedans. Elle est très bien, ma chambre! Mais c'est mieux que de dormir sur le pont. Les étoiles sont belles, mais le bois est dur et l'humidité difficilement tolérable. Je laisse ça entre tes mains, amuse-toi. Hop là. Donc, construire. Donc, champ, jardin, cuisine, maison d'invité. Waouh! On va la mettre là, hein? Comme ça. Loin de chez moi, comme ça, s'ils veulent faire du bruit, je suis pas là pour entendre. Donc, si je fais modifier, je sélectionne et je rebouge. Parfait!
Super. Non, avec le chat qui joue. Vous avez vu le chat qui joue, c'est trop mignon. Hop là, oui. Hop là. Cette maison d'Avicé est très jolie. C'est à cause de tes atouts. Bon travail, comme d'habitude. À moi maintenant, j'ai un endroit où m'asseoir et profiter du paysage. Oh, attends. Que se passe-t-il? Il se passe quelque chose. Ah, j'aurais dû y penser. J'ai faim. J'ai très faim. Tu sais à quel point je suis une mauvaise cuisinière. Mais je me rappelle que toi, tu es en une excellente. Tu dois avoir pêché quelques poissons déjà. Le problème, c'est que je ne peux pas manger du poisson entier cru. Bien sûr, tu pourrais essayer, mais le risque de m'étouffer avec une arête et de ne pas survivre. Ce n'est pas que ça, ce n'est pas comme ça que tu veux que je meure. Je crois qu'on veut pas que les gens meurent comme ça tout court. Aussi absurde que cela puisse paraître, tu devrais utiliser la table et dessin et construire une cuisine à bord. Je suis presque sûre d'en avoir vu une sur ta. J'ai besoin de gelée scintillante. Il n'y en a qu'une façon de l'obtenir. Je. Ton noir pour réveiller sera possible. Écoute, j'aurais dû te dire ça quand je t'ai rencontré. J'ai quelque chose. Quelque chose me terrifie à mort. Une présence sinistre qui me fige. Un grand vide en aval qui avale tout, même la lumière. Elle peut prendre différentes formes, mais pour moi, ça a toujours été la méduse. Oui, je sais à quel point c'est ironique. La gelée scintillante dont tu as besoin pour construire la cuisine, eh bien, seules les méduses peuvent t'en donner. Alors, il n'y a pas d'autre option. Je devrais affronter ma peur. Mais tu es ici. Avec toi, je peux le faire. Elles seront représentées sur ta carte par une tache sombre et inquiétante. Tu ne peux pas les rater. Vas-y, je vais me préparer. Nouvelle. Alors. Amélioration, boîte aux lettres, loutre intrépide. Ok. Ça va la petite table des invités? Tu vas qu'elle a le ch. C'est mignon! Oh! Comment on sort? Ah oui, j'ai oublié de te dire quelque chose. Comme tu vois, le bateau jette l'ancre la nuit. Je pense que c'est dû à la lumière de ta lanternelle. Ou à un autre détail. Ceci dit, cela permet aux gens de dormir sans être dérangés. Pendant ce temps, tu peux faire ce que tu veux. T'attaquer à des tâches à finir ou te détendre sur le pont tout en regardant les étoiles. Je te suggère de dormir aussi, dans ta petite pièce confortable au-dessus de ta cabine. Tu te réveilles en pleine forme et prête à partir et le bateau se remettra en route au petit matin. Oh, pardon. Et tu me connais, je me réveille à l'heure. L'heure n'est pas mon fort. Tu peux sonner cette clochette pour réveiller tout le monde, mais rappelle-toi, ne sonne qu'au bon moment. Tôt le matin, ça devrait aller. En parlant de temps, c'est l'heure que je fasse la sieste. À demain, Stella. Bonne nuit. Bon, enfin, si tu vas te coucher, c'est pas tellement l'heure de la sieste, hein. Vous avez vu comme c'est trop mignon ce que j'ai fait? Hop là, oui! J'aime bien sauter. Allez, dodo, voulez-vous dormir? Oui. Le chat, il dort dans le hamac avec moi. C'est mignon. Bon, vous en pensez quoi pour le moment du jeu niveau ambiance, hein? Même si c'est histoire de passer les morts, tout ça, c'est pas non plus trop triste. Appuyez sur LB. Ouais, je vois pas où est-ce qu'elle est.
C'est cute pour Ulsacrest. Alors, on va pas se mentir, je pense que ça va rester cutitude, hein. C'est ça, les méduses. D'après ce que j'ai pu voir du jeu, des let's play, des gens qui jouaient, ça reste un jeu... ouais, ça reste un petit jeu cute, hein. Il n'y a pas de... Alors, il y aura peut-être des choses un petit peu tristes, hein. Ça parle quand même de la mort. Mais je ne pense pas qu'on se retrouve avec... comme The Walking Dead, avec une petite fille, avec une balle entre les deux yeux. Hop là! Un hareng, ouais! Allez, on pêche le temps de se... d'aller jusqu'au point qu'on a voulu. Parce que je crois que de toute façon, on n'a pas de touche pour le combat ou des choses dans ce genre-là. Donc, ça restera un petit jeu mignon, cute, chill. Y a pas des morues? Ah, je ne sais pas. J'ai récupéré un vieux soulier. Je sais pas s'il y a des morues, peut-être qu'en pêchant, on verra. Hop là! Oh là! Je crois que j'arrive au truc à méduse. Un rang! Oups. Merde, elles arrivent! Rappelle-toi de garder un œil sur elles qui ont la, sur celles qui ont la gelée scintillante. Elles sont assez visibles. Cela étant, dis-toi, fais-en éclater le plus possible et tu obtiendras les lueurs de cette façon. Allez, vas-y. Ah! Ah non, faut que je remonte. Je sais pas ce que ça fait les lueurs, mais... Merde, faut que je chope la gelée scintillante là-haut. Vite, 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 vite. Je sais pas quand ça s'arrête. Ah. Est-ce que j'ai récupéré cette gelée scintillante? Fantastique! Ok, je suis très impressionnée. Tu as été super. Culbutant et plongeant comme une étoile filante. Vous avez vu comme j'ai l'air contente quand elle me dit ça? Méduse? Ouais, espèce de méduse. Sans hésitation et sans peur. Tu es vraiment... Tu n'as vraiment pas perdu la main, Stella. Tu as même recueilli assez de gelées scintillantes pour construire une cuisine digne de ce nom. Lance-toi. Je t'attendrai patiemment. Ouais, je vais pouvoir faire une cuisine, oui! Hop là. Construire. Je me trompe de bouton. Alors, champ, jardin. Cuisine. J'aurais bien voulu la construire au-dessus de ma... Mais en fait, je vois pas. Il y a le truc qui est devant. Je sais pas si je peux le faire ou pas.
Non, je crois pas. Bon, on va mettre la cuisine ici. De toute façon, si on peut modifier les trucs, hein, on bougera, hein. Belle cuisine. Oui, hop là. Tu peux désormais utiliser le four. Cela devrait être assez simple. Tu mets les aliments au four et tu attends que ce soit cuit. Tu pourrais même y mettre des grains de maïs. Les grains de maïs que j'ai au fond des poches. J'ai hâte de te retrouver à la barre de la cuisine. Tu es incapable. Hop là. Recette. Oh, j'ai pas de recette encore. On en trouvera peut-être. Cuisiner. Alors. Oh, j'ai fait du pop-corn! Clé de la cabine de... Inventaire. Ok, j'ai plein de choses dans l'inventaire. Je pourrais manger n'importe quoi. Donne-moi de la nourriture. Câlin. Donner. Popcorn. Eh bien, je ne suis pas encore morte, mais si c'est là. C'est meilleur que je ne l'aurais cru. Tu as toujours été meilleure cuisinière que je répète. Ouais, en même temps, faire du popcorn, c'est quand même pas bien compliqué, hein. N'oublie pas, les esprits ne viennent pas du soleil et de l'eau. Nous avons besoin d'un bon repas une fois de temps en temps. Ce sera à toi de prendre, de comprendre ce que chaque personne préfère. De mon côté, je suis sûre que tu t'en rappelles. J'ai toujours à trouver la nourriture réconfortante. Mais oui, la bouffe, c'est la vie. Je pourrais donner ma vie pour une tasse de café. Mais je suis pas si difficile, je peux manger n'importe quoi. Mais pas deux fois de suite. Et avant que j'oublie, un petit quelque chose pour te remercier. Je suis sûre de comprendre comment ça fonctionne, mais l'obol symbolise le passage. C'est le droit de passage que chaque esprit doit te verser. Mais quelque chose me dit que tu sais déjà tout ça. Bon, continuons d'améliorer cette embarcation. Comme tu as pu le voir sur la table à dessin, il y a des plans pour un champ et pour un jardin, ce qui signifie que tu peux cultiver plusieurs choses différentes. Ouais! Et transformer le bâton en une adorable ferme. Tu devrais premièrement ajouter un champ, à mon avis. Ce sera plus facile de trouver les morceaux aux alentours et tu pourrais faire pousser du lin. Ce sera utile pour fabriquer plus de choses. En plus de construire un champ, nous devrions aller acheter des graines à y planter. Mais ça viendra plus tard. J'ai besoin que tu visites une île près d'ici. Elle se nomme Lance, un Monstein, et elle a quelque chose là-bas dont nous avons besoin. Je dirai quand nous serons rendus. Hein, on peut rendre les gens contents. Gwen. N'aime pas. C'est bien. Hop là. Construire un champ, mais j'ai pas ce qu'il faut pour faire un champ, donc on va aller où elle nous a dit. Hop, c'est parti. Ne me demande pas comment. Pas comment, mais j'ai déjà rencontré Albert le bricoleur. C'est tout un requin, mais son amour des choses maritimes sera utile. Tout comme les améliorations au bateau qu'il vend à prix d'or. Avec ces améliorations, tu pourras être capable de traverser les sinistres intempéries qui te bloquent le passage. Cela me semble être encore bien mythique défi. C'est un peu cliché si tu veux mon avis. Ok. On fait une petite partie de pêche.
Allez, qu'est-ce qu'on va récupérer cette fois? Un poisson ou un objet chelou? Et hop là! Un objet chelou et je suis contente. Cuisiner. Il y a le chrono là, on voit. Découverte Hans Monstein. Mais mon poisson, ça a donné quoi mon poisson? Je sais pas. Hop là. Bon, j'ai pas dû finir, ça a pas dû marcher. Nous devrions descendre sur l'île là-bas. Nous y trouverons peut-être quelque chose d'intéressant. Hop. C'est parti, mon kiki. Je trouve vraiment très beau ce jeu. Il a un côté très relaxant, mine de rien. Le gameplay est très mignon. Quel arbre majestueux. Bon, tu peux le couper. Oui, c'est bon, je te le promets. C'est même la meilleure façon de procurer du bois dont tu as besoin. Mais ne t'inquiète pas, il repoussera entre temps. Une autre propriété intéressante dans la lanternelle. Oh, c'est génial! Je coupe le bois. Ah non, mais il est super ce petit jeu! Ouais! J'ai récupéré des framboises! Allez, ballons-nous! Oh! Regardez, c'est trop mignon! Il est pas tout mignon ce jeu! Ouais, ok, j'ai compris. Ouais! Super, j'ai récupéré du... Hop là. Oh, c'est trop mignon, j'adore. Félicitations, tu es désormais la mort, la destructrice des mondes. Ça se voit tout de suite. Sans blague, c'est comme ça qu'il faut faire. Vas-y, coupe plus d'arbres. Puisque nous pourrons retourner sur le bâton construire un champ avec des bûches d'érable. Ce serait près du radeau. Construire un champ. Allez, j'abandonne Gwen sur le rivage. Parce que je suis machiavélique. Donc, on va essayer de faire un champ. Savez-vous planter des choux? À la mode, savez-vous planter des choux? Alors, un champ. On va le mettre au-dessus de la cuisine, hein! Ça me paraît pas mal! Et ça, c'est un jardin. Oh, je sais pas ce qu'il faut pour un jardin. Un champ! Oui! Yep, là! Raté! Ah, c'est plus celui que je ne l'aurais cru. C'est un petit je ne sais quoi. Simple mais élégant.
Maintenant, il te reste qu'à planter quelques graines de champ ici. Les graines ne peuvent pousser que dans des lieux qui leur sont réservés. Les graines de jardin ne pousseront pas dans le champ. Donc ce n'est pas la peine d'essayer. Mais tu me connais, je tuerai un cactus en plastique. Alors ne m'écoute pas trop. En tout cas, il y a un endroit où tu peux trouver tout ce dont tu auras besoin. Théodore est le spécialiste des graines. Il a une boutique à Hummingberg, la ville la plus occupée des environs. Théodore et ses frères sont les fondateurs du Rankunt Inc., une franchise douteuse avec très peu de valeur morale. Votre Takenoko, là, dans Animal Crossing, c'est pas un raton laveur, justement? Un raccoon? Oui, ce monde est un peu... c'est un problème de pratique commerciale suspecte. Comme je ne veux pas que tu le fasses rouler, je vais venir avec toi et ce sera moi qui parlera. Je suis tombée sur ce petit raton insolent une fois et sa malhonnêteté était flagrante. Allô, Hummingberg, alors. On peut faire un câlin au chat? Non. Hop là. On dirait mon roux, on dirait Bombure. Hop. Dodo. Je le trouve vraiment très sympa ce jeu. C'est vraiment tranquille, c'est peinard, c'est pas prise de tête pour l'instant. Donc on va continuer de jouer un petit peu là. Qu'est-ce que vous en dites? On joue quoi jusqu'à 18h30, 19h? Hop là. Waouh. Oh, il y a des méduses là. Est-ce qu'on va aux méduses? Méduse niveau 2. Ouf, bah non, peut-être pas tout de suite. Allez, en avant. Bonjour. J'ai pas le courage de lire, désolé. Tiens, je vais peut-être aller me faire à manger, moi. Parce que tout à l'heure, j'ai cru que j'ai raté mon poisson. Oh, ça me donnerait presque envie de cuisiner, dis donc. Mais pas du poisson, j'aime pas trop le poisson. Je le digère pas. Si je sors, ça n'arrête pas la cuisson. Non. Hummingberg. Voilà, je suis arrivée où il fallait. Mais je veux mon poisson! Est-ce que... J'ai pas compris. Est-ce que ça me l'a... Que ça me l'a cuit. Et non, il faut que j'attende de bien aller jusqu'au bout. Bon bah tant pis. On va continuer puis on verra après. Nous sommes ici. Allons acheter les quelques graines. Théodore tient boutique sur l'île. Rendons-lui visite. Allez hop!
J'ai tellement faim, les gens. Ça m'a pas calé, les crêpes. Oh. Je retourne à la maison. Ne me suis pas, s'il te plaît. Je déteste quand on sait où j'habite. Si tu connais mon adresse, tu le diras à des gens. Ces gens vont venir le dire à d'autres gens. Écoute. Ne pas de courrier indésirable. Ouais, j'espère que ma prochaine partie sera bientôt prête. J'ai testé les données et j'ai passé 5 nuits à ébaucher des théories. Clairement, si tu prends ma spécialisation en armes lourdes de la montagne des gnomes, il y a une synergie cool avec l'habileté du rôdeur de niveau 3, éviscéré. C'est un effet un peu bizarre, mais hé, 5 des 20, c'est plutôt cru. C'est pas de battu. Ouais, youhou! Youpi! Je suis occupée, mademoiselle. Ben oui, mais moi aussi j'explore. J'explore, hein. On va retourner voir ma camarade. Je pense qu'elle va me dire qu'est-ce qu'il faut faire. Alors, regarde bien ce sanctuaire, Stella. Il est tout simplement superbe. Certains objets dans ce monde sont faits pour vibrer au diapason du Spitfarer et de la Lanternelle. J'ai entendu dire que ce monument a la force d'améliorer les pouvoirs de la Lanternelle. Les deux emplacements s'y trouvant doivent être occupés. Je ne suis pas certaine que tu aies déposé deux oboles pour l'activer. Mais pour obtenir des oboles, tu dois accueillir plus d'esprits à bord de ton bateau. Je suis sûre que tu vas trouver bientôt plus d'âmes perdues comme moi. Une promenade par jour éloigne les médecins pour toujours. Je sais pas si c'est des petites âmes, ça. Mais non, je peux pas mettre... je peux pas faire une obole. Laissez ma porte tranquille. Genre, je force les portes des gens, moi. C'est bien connu. Hop là. Voilà Théodore. Vas-y, jette un coup d'œil à ce qu'il vend. Graines de lin, graines de maïs, graines de cafetier, graines de carottes, graines de navet, champ, 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 jardin. Hop, du calcaire. On va acheter des graines. Je ne mange pas de graines! Ah, j'ai pas assez d'argent! Ces prix sont hors de contrôle. Je ne le laisserai pas s'en sortir comme ça. Es-tu prête à me voir anéantir ce marchand? Oui! Bien, faisons ça! Théodore! Je sais ce que tu fais ici! Tu devrais avoir honte, sale raton des ruelles. Les gens comme toi sont la raison pour laquelle nous avons deux majeurs. Quoi? Madame, qu'est-ce que cela signifie? Mon amie est la nouvelle passeuse d'âme. Mais elle n'est pas une débutante, et moi non plus. Votre petite escroquerie ne fonctionnera pas avec nous. Mais je t'assure que mes pratiques commerciales sont totalement honnêtes. En garde, ma mignonne! Mais non, il faudrait... Fils d'unijambiste! Je t'assure que mes... Prends garde, déloyale rayée.
Je ne tolérerai plus des comportements une seconde de plus. Ouais, sinon j'appelle les Ondagons et ses catapultes. Plus de manigance, plus de trahison, que des prix justes. Balkany en prison. Pardon. Sois donc honnête pour une fois. Quand je te recroiserai, j'espère être plus sympathique. Si tu agis plus intelligemment. Tu piges. Oui. Oui, évidemment. Je te promets que j'ajusterai mes prix. Je t'en supplie, ne me gronde plus. Je t'offrirai un rabais. Et toi, oui, toi. Ton ami a vraiment fait... On a fait voir de toutes les couleurs à cet avare marchand. Vous semblez toutes les deux prêts à rejoindre le gang du haut. Tu veux me rejoindre? Tu veux te rejoindre à nous, n'est-ce pas? Je peux le voir dans tes yeux. Je ne me mentirai pas, c'est assez cool être là-haut. Ouais, toutes les meilleures personnes s'y trouvent. Mais ne t'excite pas trop, hein. Un idiot a brisé l'échelle. Tu devrais être capable de sauter plus haut, inhumaine, pour y arriver. Imagine que tu peux utiliser l'escalier dans cette maison. Mais un idiot a perdu la clé. Eh bien, en tout cas, à bientôt. Longue vue au gang du haut. Alors, est-ce que je peux acheter des trucs qui coûtent moins cher maintenant? Ouais. Alors. Mais j'en achète une, j'en achète combien du coup? L'autre, elle a dit qu'elle aimait bien le café. On va prendre un machin. Fantastique. Bon, j'ai tout. Et si je fais vendre? Ok. Tu as tout ce que si tu as tout ce dont tu as besoin, je vais y aller. Reste aussi longtemps que tu veux ici et rejoins-nous à quai. Ouais, j'ai pas d'autre esprit, donc je peux pas... Ouais. Oh, graines de carotte, graines de navet. C'est bien, ça. Oui, oui, oui. Pardon. Ouais, je pille les maisons. C'est pas beau tout ça. Bon, on rentre au bateau. On va faire un peu de plantation. Yop là. Pardon, le téléphone qui a vibré. Tu peux maintenant planter des graines ici. Essaie-le. Hop là. Alors. Graines de lin, plantées. Alors, graines de cafetier, plantées. Et graines de maïs, plantées. Voilà. Hop. On fait un peu de jardinage. Oh, vivement le jour où j'aurai une maison avec un jardin où je pourrai jardiner. Pas que je mette trop d'eau. Ok. Tu as le pouce aussi vert que ton chapeau. Ce bateau deviendra bientôt une douillette ferme flottante. N'oublie pas d'arroser les plantes de temps en temps. Ne compte pas sur moi pour ça. Ma connaissance du jardinage est aussi faible que l'était l'empathie de mon père. Tu devras trouver les meilleurs mentors que moi. Ceux qui me rappellent. Je crois qu'il est temps pour moi de retrouver... De trouver de nouvelles personnes. Pas que je n'ai pas l'idée de traverser les océans seul avec toi, mais tu es la spirit fareur. La spirit fareur trouve les esprits. Et oui, elle les aide à remplir leurs derniers vœux, aussi anodins qu'ils peuvent être. J'ai entendu parler d'un endroit près d'ici où quelqu'un aurait besoin de ton aide.
Je te gage que tu l'aimeras, si c'est ce que je pense. Allons, levons les voiles là. J'aimerais cuisiner là pour voir quand même. Je vais essayer de faire enfin mon petit poisson. Et je pense que j'ai le temps d'avoir une petite pêche. Sinon, je vais avoir un poisson cramé. Allez! À la pêche! Allez! On y croit! Oui! Un hareng, un autre poisson. D'ailleurs, on va aller voir celui qui est en train de cuire. On arrive à la fin. Allez, allez, allez! Poisson grillé. Qu'est-ce que je peux faire avec ça? Non, l'inventaire, celle-là. Qu'est-ce que je peux faire avec les framboises, tiens? Bon, j'attends que les framboises finissent. On va récupérer ce que c'est. Et puis on va aller se dodoter. Parce qu'on va pas aller dodoter tant que le. Tant que le plat est pas prêt, parce que sinon on va foutre le feu au bateau, c'est tout ce qu'on va gagner. Et ça serait un peu con quand même. Vous croyez pas? D'ailleurs, ça va bientôt être cuit. Vite, vite, vite. Hop là! Allez vite, je veux voir ce que j'ai fait. Ça se trouve, j'ai fait une belle tarte à la framboise. Ça me donnerait presque envie, dis donc. Hop là! Fruits pochés. Je suis presque déçue. Allez, dodo! Hop là. Oui, dodo! Allez, viens le chat! On dirait quand même mon gros bombure, le chat! Il est mignon. Adonak a encore vu la mouche. Elle est tellement mignonne, Stella. Hop, on sonne le réveil. Allez! Oh, ça a bien poussé! Donna, ne mange pas la mouche! Heureusement que je les ai traités contre les vers l'autre jour, hein. Ah zut, c'est pas ce que je voulais faire. Je ne peux pas se penser autre chose qu'à la nourriture. Nourriture. Hop. Hop. Tiens. Câlin. Eh oui, câlin. Alors, où allons-nous maintenant? Alors, ressources collectées.
Ressources trouvées. Mouton sanctuaire. J'ai pas compris. Maintenant, faut que j'aille. Hop là. Ça, je pense que c'est l'endroit où je peux pas aller. On va essayer les méduses. Allez, hop. J'aurais bien aimé mélanger deux ingrédients pour voir. Allez hop! Pop chose! Je peux pas cuisiner si. Allez hop! Et fier mon navire, il est mauve mon bateau. C'est un fameux trois-mâts, fin comme un oiseau. Ça va, elle a l'air plutôt contente. Tu aimes le pop-corn? Non. Merde, je pensais pas qu'on arriverait chez toi aussitôt. Dépêche-toi, le poisson, je vais louper toutes mes méduses! Dépêche-toi! Les méduses sont encore là, rappelle-toi que tu peux. Allez les méduses, je vous attends! Venez, bande de moules! Merde, j'en ai loupé une avec de la. Avec la gelée. Putain, il y en a une qui passe vachement haut. Putain, je vais pas la réussir à la voir. Non, zut! Pourquoi tu sautes pas sur le toit? Ah, ça va être fini. Puis j'ai rien récupéré. Waouh! Ah là là. Oh, j'ai presque rien récupéré. C'était nul. Qu'est-ce que je peux construire d'autre? J'ai pas ce qu'il faut. Ah! Alors, bougeons! On va là pour voir? On peut pas forcément faire grand chose le temps des voyages. Ouais, il y a des choses qui poussent vite. En tout cas, le maïs, ça pousse assez vite. Hein. Bon, une petite session de pêche. Spiritfarer, simulateur de pêche. Bon, sinon les gens, ce soir c'est la Saint-Patrick. Alors je sais que le confinement.
Le confinement, ouais, le couvre-feu vient de tomber, mais du coup, vous avez prévu quelque chose chez vous? Une petite bière, une petite session de musique? Alors moi, à 20h30, sur Twitch, je vais regarder Morgan of Glencoe. C'est une harpiste et elle va proposer un concert sur sa chaîne Twitch. Donc si jamais ça vous intéresse, hein, n'hésitez pas à aller découvrir sa chaîne Twitch. Par ailleurs, elle propose tous les matins à partir de 9h30 des sessions de harpe, puisque c'est une harpiste professionnelle, donc forcément il faut qu'elle s'entraîne. Donc elle fait ça tous les matins de semaine, tous les deuxième mardi du mois, si je dis pas de bêtises, elle propose un atelier d'écriture absolument tout niveau. Après, elle fait aussi des jeux de rôle, pardon. Elle fait du jeu de rôle, mais bon, moi je suis pas trop parce que je suis pas très 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 jeu de rôle en fait. Donc, si jamais ça vous intéresse, hein. Bah, pas jouer. On est d'accord, hein, on va pas forcément faire grand chose, mais même moi je vais pas faire grand chose. J'ai beaucoup bu samedi dernier et. Non, je vais pas. Donc, qu'est-ce que je peux faire là? Waouh, j'ai récupéré plein de trucs. Tenir appuyé pour plonger. Ouais. Voilà, je suis parti où? Odin, t'es devant l'écran! Ce que je ramasse là sur mon bateau, mais oh, une moule. Oh, je récupère de la bouffe. Je sais pas ce que je vais faire avec les coquilles vides, mais hop là. Bon, bah je pense que j'ai récupéré ce qu'il fallait. On va rebouger. C'est quoi ça? Ça, je pense que c'est un endroit où je peux pas aller. Bon, on va essayer d'aller là, on va voir ce que ça donne. Ah, j'ai oublié que je suis dedans. La Saint-Patrick, c'est pas une base sur mon calendrier. Ah, c'est vrai que moi j'ai vécu en Irlande, donc la Saint-Patrick pour moi c'est existentiel. Mais j'ai prévu de remplir quelques pages de mon carnet en dessin. Avec un peu de bol, je vais même m'y tenir. Ouais, moi je me dis aussi que je devrais essayer de dessiner un peu ce soir, hein, mais est-ce que je vais avoir le courage de le faire? Essaie de faire le tour des orages. Bah écoute, là, je fonce dedans. On va voir ce qui va se passer. Oh, je peux aller arroser mes plantes, là, pendant que ça cuit. On va voir ce que ça donne. Je vais essayer de passer au travers. Et après, ouais, peut-être qu'on essaiera de faire le tour. Je pense que le jeu nous arrêtera si jamais on fait trop de bêtises. On verra bien. Après, pour moi, perso, la Saint-Patrick, c'était... Ça a toujours été une bonne excuse pour faire la fête avec les amis. Bon, c'est juste que là, malheureusement... maintenant, je vis dans un petit village, un peu isolé. Je vais pas dire que j'ai plus d'amis, parce que c'est pas sympa pour mes amis, mais tous mes amis sont généralement assez loin. Puis de toute façon, avec le couvre-feu, ça sous-entend de laisser les chats la nuit tout seul. Et je peux vous garantir que mes chats, dès qu'il fait nuit, que je suis pas là, ils sont pas contents. Allez!
Tada! Des moules vapeur! Allez hop! Mais vous avez pas fini avec cette... Ils sont toujours après la pauvre mouche et ils l'ont à moitié dézinguée. Elle est en train d'agoniser, la pauvre petite. Genre, ils ont à manger plein leur plat. Mais non, faut qu'ils aillent attaquer une pauvre mouche. Je pense que les mouches et les sauterelles, c'est bien les seuls trucs que que mes chats m'aient ramené. Même quand ils allaient dehors. Allez, on va voir comment ça se passe avec l'orage. Allez, à la pêche à la ligne. Ah, il commence à pleuvoir. On va voir comment ça va se passer. Alors. Il pleut. Et ça y est, Odin a bouffé la mouche. Par ici. Je suis heureuse que tu sois venu me parler. Comme je disais plus tôt, nous avons besoin de plus de gens à bord du bateau. De nouveaux passagers. Il doit bien y avoir quelques personnes dans les alentours, perdues comme je l'étais. Eh bien, pas tout à fait comme moi. Je sais certaines choses que la plupart ignorent. C'est probablement pourquoi Pern se méfiait toujours de moi et que maman me donnait du fil à retordre. Ok. Bon, j'ai l'impression que j'ai passé l'orage. Découvert, Barkenheim Creek. Je peux aller... je peux descendre, même s'il fait nuit. J'ai l'impression d'être toute lumineuse, que mon personnage est tout lumineux. Toujours faire des câlins à son fauve. Allez hop! Je sais pas où est-ce qu'il est parti, mon bureau, en train de dormir dans un coin comme d'habitude. Allez! On récupère du matos, hein, tant qu'à faire, ça nous occupe. En plus, il fait nuit. Le bateau peut pas naviguer, donc... Bois d'érable. Hop là, allez le chat! C'est tellement mignon avec le chat là qui... qui touche même pas terre. Donc voilà, moi pour la Saint-Patrick. Hop là. Mon citron. Ah bah je te le ramène ton petit citron. Hop là. Tu l'as trouvé. J'ai seulement besoin d'un mouchoir ou de quelque chose comme ça. Et je veux pas avoir de jus de baie partout. Peu importe. Tiens, ce citron pour toi. Mais ne le presse pas. Attends une minute. Tu veux peut-être m'aider? Il n'y a plus de nourriture sur cette île. Mon estomac est toujours vide. Je pourrais peut-être vous aider à bord du bateau. Pour cuisiner, pour empêcher de faire la construction. Je n'ai pas mes épices et mes outils, mais je vais m'organiser. N'y pense pas trop. Monte-toi à bord du bateau. Oui. Il n'y a pas de baie. C'est triste. Allez. Allez, on rentre avec un nouveau passager. Il est 18h20, il fait encore jour, c'est super perturbant. Stella,
Oh, waouh, ce bateau est fantastique. Mais attends, canaille, ce qui s'en vient, c'est du lourd. Prépare-toi pour la réunion de famille. Ta-ta-ta. Coucou la grenouille! C'est moi, Stella, ton oncle à Toul. Si ça, c'est mon oncle, je veux pas connaître le reste de la famille. Parce que je veux pas savoir comment ils ont fait des bébés. Surprise? Agréablement, j'espère. Je suis sur ce Toul depuis un moment. J'ai hâte de voir les lieux et la mer en ta compagnie. J'étais seule avec mes pensées. Maintenant, il y a toi, petite. Levons les voiles vers une grande aventure. En avant toute. Attends une seconde. Qu'est-ce que c'est un... Je le savais. C'est une Superflow 2000. Je n'en avais jamais vu de mes yeux. J'en ai entendu que des rumeurs. Il paraît que tu peux attraper des poissons plus gros et les plus brillants. Ouah, Stella, tu sais comment te faire plaisir. Mais attends une seconde. Il te manque quelques boulons? Laisse-moi deviner. Tu ne pêches que des ordures? Eh bien, plus maintenant. Ouah, il me répare mon... Tu verras immédiatement la différence. Et celle là-devant. Ouais. J'attends que ça morde. Quand j'étais petite, papy nous emmenait à la pêche. C'est plus dur. C'est dans Kaamelott, puisqu'on faisait des blagues sur Je mange pas de graines, quand Dame Célie fait sa fameuse tarte, et qu'elle explique à les dingants qu'elle va faire des tartes et des confitures, et que lui sera bien obligé d'emmener ses petits-enfants à la pêche. Ce qui est très drôle. Ouah, un calamar! Est-ce qu'on peut pêcher autre chose? Et ce qui est très drôle, c'est que mes grands-parents maternels, mon grand-père nous emmenait à la pêche et mamie faisait des tartes et des confitures. Des confitures de mûres! Saleté. Des confitures de mûres, on faisait beaucoup puisqu'on allait les ramasser dans les mûriers. Mais ça, enfin, c'était une autre époque. Maintenant, le long des routes, tout ça, ils ont coupé tous les mûriers, ils ont tout dézingué. Et tu peux plus ramasser des mûres, pratiquement ramasser des mûres comme ça. Bon, en céramique. J'aime pas la céramique. Joli travail. Ils n'ont eu aucune chance. Tu ne perds pas de temps. Ce qui fait de toi une vraie pro. Mais cette pêche de champion m'a bien énervée. Ce qui me rappelle, j'avais cette chose brillante au fond de mes poches sur l'île. Je n'ai aucune idée à quoi elle sert. Tu peux peut-être me la prendre, la garder en sécurité, je suppose. Oh misère, je dois aller prendre l'air. Eh oh, en passant, tu es sûrement curieuse et tu as sûrement déjà fait l'expérience, mais l'eau est très salée. Bon, je vais me balader dans les environs. Tu peux pêcher autant que le cœur t'en dit si tu veux. Oh. Besoin d'un peu d'eau. Hop là. Alors. Trouve un passager à Umbergen. Ah. On fait le calamar? Ah, mais il va faire nuit, je vais pas pouvoir. Ça roupille. J'aurais peut-être pas dû lancer mon calamar. Bon, tant pis, on va attendre. Que j'ai le temps d'aller pêcher.
Non, j'ai pas envie de prendre le risque d'aller pêcher en fait. Donc on va attendre un peu comme des couillons, hein, ça arrive quand on joue. C'est vrai que quand on joue hors stream et qu'on attend comme des couillons, ben, on s'en prend qu'à nous, mais c'est vrai qu'en stream ça devient un peu con. Heureusement, dès qu'on passe quelques instants rien faire, il y a toutes les animations de Stella qui joue, du chat qui joue. Allez le chat! On dirait tellement un vrai chat. Bon, par contre, ça lance pas les balles comme ça, mais... J'aime vraiment beaucoup le design de Stella. En plus, elle est souriante, ça fait plaisir, surtout après The Walking Dead. Putain, mais je vais jamais me remettre de ce jeu, quoi. Voilà que je pense à regarder des trucs tranquille pépouze, parce que je me sens un peu déprimée en ce moment, moi. Voilà que ça arrête, parce que c'est pas possible. Allez, vite, le calamar, vite, vite, vite! On va voir ce que ça donne une fois cuit. Allez! Allez! 3 jours plus tard, après être mort de vieillesse. Allez, hop là! Tadam! Oh, brochette de calamar, qu'est-ce que ça me donnerait envie? Alors, trouver un passager à... Mimberg, c'est là qu'il faut que j'aille. Bon, ben, on retourne là. Allez! Tu as 2 oboles. Je te rappelle que... Ah, il y a le sanctuaire, oui. Essaie de les placer là-bas. Si nous sommes chanceux, cela pourrait avoir des effets formidables. Si nous ne sommes pas, tu auras perdu ton temps. Tu devrais aller voir. Eh ben, on ira. Il veut faire un câlin aussi. Je vais lui donner du poisson comme il en semblait. Non, désolé Stella. Tu sais que je ne peux pas manger de fruits pour l'amour de Dieu. Oh. Hop là. Hop là. Ah, mais t'étais sortie. Ce qu'on appelle les tempêtes. Personne ne laisserait son ami se faire frapper par la foudre. Mais je crois que tu devrais l'essayer. Tu as la lanternelle, ça te protégera. Il y aura des étincelles où les éclairs frapperont, cours vers elle. J'allais oublier. As-tu des bouteilles vides? Si tu te fais frapper par la foudre avec une bouteille vide, tu peux capturer l'éclair dans la bouteille. C'est pas fou ça? Ce monde. Un éclair en bouteille est une ressource bien utile. Arrive donc bien équipé. Pour commencer. Quelques bouteilles avec toi. T'inquiète pas, c'est facile d'en trouver. Prépare-toi à l'aventure la plus électrisante de ta vie. Pas du tout ce que je fais en fait. Je me mets à des endroits puis j'espère choper des trucs. J'aime beaucoup la BO aussi.
là. Je sais pas si j'ai vraiment réussi à avoir de la foudre en bouteille. C'est fini? Ah ouais. Je me demandais si tu résisterais plus d'une seconde là-bas. Tu as donné une de ces frissons à ton vieil oncle Atoul. Tu as entendu ce grondement? Quelle aventure! C'était trop chouette lorsque tu capturais les éclairs partout sur le bateau. Merci d'être une capitaine rêvée. De rien, tonton. Oh, il y a une moule. Merde, non. Ah! On peut pas manger la mouette! Pourquoi on peut pas manger les mouettes? Construire. Ah, mais je pourrais faire un jardin. Maison des invités, c'est bon. Je peux faire un jardin. Eh ben, on va faire un jardin aussi. Tant qu'à faire. Graines de carottes. Eh ben, graines de carottes. Et graines de navet. Hop là! Et regardez, même les détails, ça, la terre change de couleur. Hop là. Hop, allez, on va à terre. Hop, on fait le bol pour voir. Ouais. Hop là, on essaye, on va voir ce que ça se passe. Waouh. Oh, le chat il s'est planté, il est aussi plane. Alors Pierre ressort, ouais. Beau travail. Tu as réussi. Bien joué. Tu as réussi à monter ici. Ah, moi, plutôt. Voilà. Ce n'est pas si chouette, Isso. Comme tu es là, ça devrait s'améliorer. Je n'ai pas ta carte de membre pour toi, mais tu seras un membre honoraire du gang duo. Je te montrerai bien la poignée de main secrète, mais je ne sais pas à quoi. C'est pas ce... Oh, ah, j'arrive plus à lire, là. Je commence à fatiguer. Oh! Un mouton! C'est un peu très étrange, longue vie au gang duo. Ça fait un peu bizarre la fumée verte au-dessus des gens.
On dirait que ça veut dire qu'il pue. Oh. Hop. Toi, t'es tout jaune, t'es pas comme les autres. Quoi? Oh. Tu m'as donné une de ces frousses, ce chat. Il me dit quelque chose. Daffodile? Est-ce que c'est toi? Oh oui, c'est toi. Toujours aussi soyeuse, hein? Alors, ça veut dire que Stella, c'est toi? Quelle fantastique tournure des événements. Est-ce que c'est ton bateau là-bas, en mer? Je vois, tu es venu me sauver encore. Mais attends, pas si vite. Cette fois, c'est moi qui enseigne. Tu peux compter sur moi. Allons-y alors. Nous avons quelques leçons à réviser. Y a rien par là? Mais non, c'est triste. Mais... Qu'est-ce que tu fais là, toi? Mais non, c'est pas à toi que je veux parler. Oui, parce qu'un câlin, c'est jamais trop. Au moins un heureux. Remplis un esprit fou de joie au moins une fois. Allez, on rentre au bateau pour voir. C'est trop mignon le temps de téléchargement avec le petit chat en bas. Mes plantations, elles disent quoi? Est-ce que je peux les récolter ou... Non, je peux pas. Par ici, mon petit. Oh, Stella. Tout ces terres, ce grand espace. Je sens que je pourrais croître ici. Regarde-moi, je suis déjà flétrie. Qu'est-ce que c'est? Oh, sortir de sa chrysalide, quel sentiment. Merci Stella. C'est un serpent. Un petit câlin. Ouah, tu es gentille. Merci, je n'ai pas faim. Oui, tonton. Mon Dieu, comme le paysage est beau ici. La mer, le soleil, la brise sur ma peau. C'est parfait. Je suis heureux d'être à ce bord avec toi, ma nièce. J'aimerais que ta tante vive te voie en ce moment. Dirigeant ton propre bateau et dans les esprits errants. Ça réchauffe vraiment le cœur. Je suis content que tu m'aies récupéré sur cette île. J'essaierai d'être le passager le moins embarrassant du bateau. Sauf pour la nourriture. Je n'arrêterai jamais de demander un délicieux repas. Oh, un jardin. Que suis-je bête? J'allais te réprimander pour le manque de verdure sur le bateau. Mais ma foi, tu as déjà fait un magnifique jardin. Oh, je sens que tu serais une excellente élève, Stella. Très bien. Nous sommes prêts pour débuter la première leçon. Assure-toi qu'il y a des graines sur ce lopin de terre. Elles seront importantes. Hop, attends. Je vais arroser mes plantes. Hop là. Hop là. Et voilà, j'étais sûre qu'au milieu, ça allait réclamer de l'eau aussi. Hop là. Pour notre première leçon, nous débuterons avec quelque chose que je suis assez excitée de partager. Ce monde obéit à différentes règles, comme tu l'as probablement déjà remarqué. J'ai toujours prêché l'amour envers tous les êtres vivants.
C'est rigolo, vous avez vu comment ça fait ses manches? C'est en fait son corps, ça fait une boucle, et l'autre manche, ça fait, c'est le bout de la queue. C'est super rigolo. Le jardin est le réceptacle de notre amour, miroir de ce qu'on tend à soi-même, tu vois. Cela semble encore plus vrai aujourd'hui. Lorsque j'étais seule sur mon île, je chantonnais pour les fleurs, et comme je le croyais, elles ont poussé avec encore plus de vigueur. Au bout de quelques échecs, j'ai réussi à écrire une petite chanson. Les plantes semblent y réagir particulièrement bien. J'aimerais mettre à l'épreuve avec toi cette observation. Va dans le jardin et essaie de jouer un morceau avec tes plantes. Mais j'ai pas de guitare. Peut-être que j'attends le petit matin. On va aller dormir pour voir. Dormir, oui! Bonne nuit, les petits! Tout, 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 tout. Je trouve que ça colle très bien à l'ambiance en plus. En tout cas, elle est bien matinale, hein, parce que alors moi le matin... Bonjour petit chat. Ah, maintenir Y, j'avais pas vu. Putain. En tout cas, je joue mieux dans le jeu que dans la vraie vie. Enfin, j'y joue mieux dans la vraie vie. On va pas se mentir, j'ai une guitare, je sais pas m'en servir. Tu as vu comme les plantes se balancent et poussent lorsque... Je commence à en avoir marre de lire les enfants, je suis désolée, je pense qu'on va bientôt s'arrêter. Je vais m'assurer de faire connaître au monde la découverte fascinante. Et qui sait, les autres sachent peut-être aussi jouer de la musique. Tu pourrais leur demander si leur mot allait bon. D'ailleurs, dans l'agitation des derniers jours, j'ai oublié quelque chose. Voilà, c'est pour toi. Cette pièce étrange m'a agacée dès mon arrivée ici. Je suis soulagée que ce soit encore une de ces allergies à pollen. Oh, bon, on va remettre des carottes. Encore des carottes. Et là, on va mettre des navets. Et on va arroser. Et on va aller voir le champ, ce que ça donne.
ce que je peux récolter ou pas. Que j'ai quand même mis les trucs il y a un moment. Ouais! Sympa! Alors, graines de café. Graines de lin. Graines de lin. Et on arrose. Ah, ce jeu est vraiment super! Stella, tu as bien travaillé. Nous avons maintenant un vrai bateau. Tu devras désormais prendre soin des nouveaux passagers. Ce sera eux qui testeront ta patience, pas moi. Mais avant tout, j'ai quelque chose à te demander. Tu as sûrement remarqué que nous dormions dans la maison d'invité, ce qui n'est pas idéal. Et surtout depuis que c'est bondé. Écoute, ne me plains pas. Tu es extraordinaire, mais ce serait terriblement impoli de te blâmer pour quoi que ce soit. Mais je crois qu'il est temps pour moi d'avoir mon espace. Une belle petite maison sans prétention, mais sophistiquée douillette. Un espace où lire et me reposer loin du tumulte du pont. Étrangement, j'imagine quelque chose qui me rappelle les Alpes. Tu vois, mais moi, je vais être nostalgique parfois. Ça ne t'embêterait pas trop à ce sujet, je serais ravie que tu connais une petite maison pour moi. Refuge pour Gwen, oh bah tant qu'à faire. Cuisiner. Oh là, ça va super vite le café. Alors qu'est-ce que je peux cuisiner d'autre? Parfait, ça me laisse le temps de voir si je peux construire refuge de Gwen, ouais. Et voilà. Oh, il y a plein de gens qui ont des choses à me dire. Ouais, mais j'attends que mes carottes sont cuites. Parce que sinon, bah, les carottes sont cuites. Allez. Allez, les carottes, on se dépêche. Allez. Allez, hop. Tada, légumes grillés. On va essayer le navet. Hop. Et on va aller parler à Gwen. Alors, cette cabine est géniale. Cela fait des miracles, une chambre à soi. Est-ce qu'elle te rappelle mon ancien condo de la rue Waverly? Probablement le seul endroit où j'ai pu trouver la paix et le silence. Merci, mon ami. Hop. Stella, je voulais pas te déranger avec ça, mais depuis quelques semaines, j'ai fait d'étranges rêves. Je rêve à un serpent géant, à des récifs menaçants et à des fruits pourris. Et depuis que j'ai rejoint ton équipage et toi, eh bien, ils sont de plus en plus clairs. Je crois que c'est l'ère du large. Tu devrais peut-être... Ou peut-être les énergies mystiques de la lanternelle. En tout cas, je suis maintenant sûre que mon rêve, ce sont plutôt des visions. Je crois qu'elles viennent de notre connaissance commune. J'ai regardé la carte dans ta cabine. Mes yeux étaient toujours attirés par le même endroit, je te l'ai indiqué. Je crois que nous devrions aller là-bas. Il ne faut pas attendre. Ça fait aussi des légumes grillés. Hop là. J'ai jeté un coup d'œil à la table de dessin. C'est bien. Mais est-ce que ça rendrait encore plus chouette? Plus de plans, de gros bâtiments, de meilleurs crayons. Je dis ça, je dis rien. Je suis certain qu'Albert au chantier naval pourra t'aider. Bon, est-ce que tout le monde a l'air content?
Bon, quelle heure il est? C'est bientôt 19h, donc on va s'arrêter là, hein, parce que je pense qu'on a passé pas mal de temps à jouer. Donc, franchement, Spiritfarer, c'était vraiment génial. C'est tranquille, c'est chill, la musique est agréable, les animations sont nickel, l'univers m'a l'air fin chouette. Donc franchement, si j'ai l'occasion d'y revenir, on y reviendra parce que ça serait bête de s'en priver de ce jeu. Donc voilà. Donc, merci de m'avoir suivi, hein. Je vous rappelle que si vous aimez la chouette et la blairelle, vous pouvez évidemment suivre la chaîne, mais aussi nous retrouver sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, j'en profite pour faire passer le petit message pour retrouver les réseaux sociaux sur le chat. Voilà. Et en ce qui nous concerne, on se retrouvera vendredi. On jouera Jack l'Éventreur, New York 1901. Alors, je vous rassure, hein, même si ça parle de Jack l'Éventreur et qu'on aura sûrement un petit peu de sang, ce n'est pas du niveau traumatisant de The Walking Dead, on est bien d'accord, le jeu est plutôt tranquille, pépouze, hein. C'est vraiment un point and click classique à la première personne, avec des énigmes, donc on n'aura pas trop de soucis. Donc voilà. Donc je vous remercie de m'avoir suivi sur ces trois découvertes. Passez une bonne soirée, fêtez bien la Saint-Patrick si vous la fêtez. Et on se dit vendredi 21h pour de nouvelles aventures. Je vous remercie beaucoup. Salut, à bientôt!